Jean-Éric Brana, est-ce que c'est devenu possible ce soir, justement, cette élection de Donald Trump? Ah, mais je crois qu'elle est possible déjà depuis un an. L'élection de Donald Trump, c'est là-dessus, il n'y a pas de problème. Il est le candidat des Républicains et en tant que tel, il peut tout à fait être élu. Je crois que là, la grosse erreur des pas mal de journalistes depuis le départ, c'est de l'avoir appelé un clown dès le départ. À l'époque, il nous a donné quelques éléments pour le penser quand non, même. Non, 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 il a été dans l'outrance, mais il n'a jamais été un clown. Ce n'est pas du tout la même chose. Il s'est lancé dans la campagne avec une posture qui était très différente des autres, qui était de dénoncer le monde politique en disant « je ne suis pas un politicien et moi, je veux qu'on arrête, un, avec le politiquement correct, deux, avec cette idée qu'on ne peut pas changer les choses. Il est arrivé avec cette posture, là encore, en répétant ce qu'avait dit Reagan à sa grande époque. C'est, on nous explique que les problèmes sont trop compliqués pour qu'on nous donne les réponses. Oui. Moi, je prétends que les réponses peuvent être énoncées de façon simple et je vais le faire. Alors, ça a donné effectivement ces outrances qui nous ont soulevé le cœur et qui ont fait qu'il a occupé les premières pages des journaux. Et c'est là où l'analyse a été complètement biaisée dès le départ, si vous me permettez oui. de terminer cette phrase-là, parce que en regardant, vous savez, c'est l'histoire de la lorgnette hein, ou du doigt. Si vous regardez le doigt ou si vous regardez un petit peu plus loin, vous voyez pas la même chose. On s'est attaché à regarder le doigt de Donald Trump, on n'a pas regardé un petit peu plus loin. Or, il était en train de se placer lui-même en position d'être gagnant, et c'est ce qu'il a fait. Lorsque j'écrivais mon livre sur Donald Trump au mois d'août l'année dernière, je l'ai assez dit sur les plateaux, aucun éditeur n'en voulait parce que oui. Tout le monde pensait qu'il allait s'écrouler. Il n'empêche qu'il ne s'est pas écroulé, et l'analyse que je prétendais porter à ce moment-là, qui était cet homme-là a pris la bonne posture parce que l'Amérique est excédée et qu'il s'est mis du côté des gens excédés pour crier avec eux, ça a fonctionné. Et puis sur Guillaume Debray. Il incarne formidablement ce message. Ah, bien sûr. Parce que des messages, des hommes politiques qui ont dit Washington est corrompu, tout va mal, je vais vous réformer, tout ça, il y en a eu pléthore. Barack Obama le premier, qui était un message de anti-establishment. Lui, il incarne fondamentalement cette révolte qu'il y a dans l'électorat principalement blanc américain, qui est que Washington ne sert plus leurs intérêts. Et la manière de montrer qu'on n'est pas du sérail washingtonien, c'est d'être outrancier, c'est d'être truculent, c'est d'être surtout pas politiquement correct. Le politiquement correct aux États-Unis est devenu le mode d'expression de Washington. Et ça, il l'incarne formidablement.